Bienvenue dans mon atelier, encore une fois. On a fait deux vidéos, une pour monter un câble de rotor tout seul et une pour monter les triers de frein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer des petites techniques pour que votre frein marche bien, que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. La première chose à savoir pour qu'un rotor marche bien, il faut que tout soit centré. C'est-à-dire que votre roue doit être au milieu du cadre, votre étrier doit être centré par rapport à la roue. Il faut que tous vos câblages soient de la même longueur, à peu de choses près, ça peut être au millimètre près. Mais plus vous serez symétrique et plus ça marchera. Après j'ai un ou deux trucs aussi pour éviter qu'il y ait des frottements. Parce que les câbles, souvent, votre petite butée qui tient la gaine est comme ça, et votre étrier est là. Donc ça fait un angle, et votre câble il frotte là. Donc j'ai fabriqué une petite pièce, je vais la démonter et je vous la montre. Donc c'est de la pièce dont je vous parlais. C'est une pièce basique que j'ai achetée sur le net qui me permet de dédoubler ma butée et qui me permet de pouvoir mettre des gaines normales. Et après, il y a cette petite pièce là. C'est une petite pièce en alu que j'ai fabriquée. Et en fait, elle est vissée dans le cadre. Et quand j'installe ma patte, au lieu qu'elle soit à plat sur le cadre, elle est un petit peu en montée. Vous avez vu, ça donne un angle. Et du coup, j'ai mes câbles qui vont tout droit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça évite le frottement qui se passe dans la gaine là. Ça vous permet de gagner un petit peu de souplesse sur le frein. La deuxième chose, c'est que la roue doit être centrée. Vous voyez bien que j'ai les mêmes rondelles là et là. Ça veut dire que j'ai la même distance entre mes deux étriers. Et quand je freine, j'ai mes deux patins qui viennent en même temps toucher la jante. Et ça, c'est vachement important. Si vous n'avez pas les deux patins qui touchent en même temps la jante, ça va vous faire un frein mou et bizarre. Après, la troisième technique pour que le frein marche bien, hop, j'ai ça. Il y a 5 ans, c'est les Parisiens qui m'ont dit qu'il fallait que je mette ça. C'est du goudron de toiture qu'on trouve en bande. Moi, j'ai récupéré des petits bouts. Et en fait, ce que je fais, j'en étale un peu sur ma jante. Ça vous donne le fameux bruit que tout le monde déteste sur les skateparks quand j'y suis. Le sifflement du frein pourri. Mais qui permet que le frein bloque bien. Une autre technique que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Si vous avez une platine de rotor à l'ancienne, un truc qui vient se poser sur la fourche et vous mettez la potence au-dessus, mais elle est libre. Vous savez très bien que de temps en temps, elle bouge. Je vais vous la démonter et je vous montre comment j'ai fait pour la bloquer. Voilà ma potence, voilà ma platine. Dans la platine, j'ai percé un tout petit trou à cet endroit-là, juste sous mon doigt. Et dans la potence, j'ai percé un tout petit trou aussi. Et vous voyez, il y a une petite tête de rayon. Hop. Et en fait, ça vient comme ça. Et là, une fois que vous êtes monté, votre platine ne peut plus bouger parce qu'elle est tenue par la fourche et par ce petit picot là. J'ai des câbles du bas, vu que j'ai le système pour mettre les doubles gaines. Mes câbles du bas, c'est des câbles de VTT comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste agrandi un peu le trou de mon rotor là. Vous voyez, il vient se bloquer en fait. Et comme ça, il ne peut pas sortir une fois qu'il est tendu. Donc en gros, il y a plein de petites techniques pour que le frein fonctionne. Il faut juste s'appliquer, le monter, plus il sera symétrique et plus il marchera. Il faut que les deux patins touchent la jante en même temps. Si vous voulez mettre un peu de goudron, vous pouvez, mais il ne faut pas en mettre une tonne. C'est d'essayer de régler le plus proprement possible. Et si vous avez d'autres techniques, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que moi, bon, je bricole de mon côté, mais peut-être que vous allez trouver des trucs bien aussi. Et si vous voulez voir les autres vidéos pour monter le câble de rotor tout seul, et pour régler l'étrier, c'est par là. Et abonnez-vous. Ok ?